Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 155e épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ok, allez, on a une nouvelle racine à trouver qui se trouve dans ce... dans cette direction. On a eu du mal à venir, donc on y reste et on trouve... Eh ben, elle est là-bas. Il y en a même deux, je pense. Non, c'est des flammes. Bon, on verra bien de toute façon avec déjà celle-là. Allez, on a besoin. De graines. Donc là. Ok, très bien. Racine Ikuzimoy. Ok. Oh. Quelque chose là-bas, une arène. Ou non, peut-être pas une arène. Non, c'est juste... Ok. Bon, avec tout ça, toi, ça te donne où? Ça te donne ici. C'est vrai que par là, j'ai pas encore vraiment... Donc on va partir de la tour de la montagne de l'Anel, on va monter et puis on y va en paravoile. Et en chute libre aussi, hein, mais... le violet. Et trop froid. Pas. Bon bah il est quasi tout prêt. Oh, quoi que non, allez. Thank you.
L'œil, ça va être celui-là, je parie. Bon. Je vois pas de sanctuaire. On va déjà faire le souvenir alors. Soit c'est au centre là, mais j'y crois pas. Bon, là c'est encore au goût. Et hop! Tada! Bizarre, hein, j'en étais sûr. Voilà, très bien. Maintenant. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Maintenant, l'alarme a été de ce côté-ci. Je m'en fous du... Ok. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. Et moi aussi, bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. Nous les six, en faisant le serment,
Nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi démon. Très bien. Il est déjà fait lui ou pas? Ouais. Ah non. Bon, une chose à la fois, d'abord le violet. Une caverne ici, ouais. Passer. Voilà. 3, 4 et 5. Zora, tiens. À la place de la hallebarde. Alors ici, bon bah il y a encore du corps au bout. Ici le sanctuaire, mais il n'est pas visible. Il doit être en dessous. Et je ne sais pas où elle sera. Tiens, j'ai envie d'aller voir là-bas. Je pense qu'il y a un coffre. Ça me paraît un bon coin. Ah bah. Ok, la caverne est là-bas. Saleté. Elle est là, la caverne. Merci, l'Elusis. Là, toi, comment je vais faire? Oh, tu m'as fait peur. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Toi aussi, tu es venu chasser le trésor par ici après avoir entendu l'histoire du vieux manuscrit de Koda? Non. Oui, c'est ça, un vieux manuscrit laissé à Koda par un de ses lointains ancêtres. J'étais là quand Koda a lu un passage à sa fille, Alphine. Jadis, au camp de Tarn, un généreux sanctuaire abritait généreusement une pierre tout aussi généreuse. Je crois que ça commençait comme ça. Pour un texte ancien, la formulation est un peu étrange. J'ai même trouvé un peu louche au début, mais bon. Un généreux sanctuaire, ça sent le trésor à plein nez, non? Quand elle a entendu ça, Alphine a crié « On part à la chasse au trésor !» et elle m'a tiré à l'extérieur du domaine. Du coup, je l'ai suivi tant bien que mal jusqu'à cette grotte. On était ensemble quand on est arrivé ici, mais...
Elphine est partie à la nage à toute vitesse vers le fond de la grotte. Tu me rattraperas, qu'elle m'a dit. Elle est persuadée que rien ne peut m'arrêter. J'ai fait des efforts pour devenir plus costaud, c'est vrai, mais je suis très mauvais nageur. J'ai trouvé un radeau juste là, du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir la rejoindre avec ça, mais comme l'eau n'arrête pas de monter et de descendre, le radeau finit toujours coincé dans les rochers. Du coup, je suis bien embêté. Ah, avec Alphine, on s'était promis qu'on allait trouver trésor ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben. Je commence vraiment à me demander si je vais essayer de remonter à bord. Allez. Hein, tu veux me conduire jusqu'au fond de la grotte en radeau? Merci, si tu me proposes si gentiment, j'accepte avec plaisir. Je vais devoir jeter. Les petits sabres, mince. Prends la feuille de corps au bout à la place. Hop. Mais t'es sérieux? Allez, Babil. Allez, Babil. Et attacher un bâton, elle peut servir. Ok. Prendre. Je pose. J'ai pas trop le choix. Et ben, je l'ai complètement raté, allez, Babil. Bah oui, forcément. Perdre du temps, mais c'est pas grave. Hop, ça redescend. Ça remonte. Je veux pas te parler. Non. Bah oui. Attention, attention.
Non! Ah, je suis tombé, oh purée! Allez. Bon. Allez, monte à bord. Hi. Ah. Allez, allez, allez. Bon, on attend. Allez. Oh, purée, je l'ai fait trop tôt. Je l'ai raté. Allez, viens par ici, toi. Allez! Oui, c'est vraiment une plaie, hein, ce système d'aide. Non, franchement, une combinaison de boutons aurait été plus simple. Hein. Parce que là, oui, s'il s'approche pas, moi je peux rien faire. Mais il veut pas s'approcher. Enfin, ils ont leur volonté propre et ça m'énerve. Mais oui, dans l'autre sens, purée. Parce qu'il s'éloigne au moment où j'en ai besoin. Ça va aller, mon gars. Forcément, je suis très mal placé. Allez, lâche. Voilà. Tellement près, tellement loin en même temps. On attend. Et on accroche. Non!
Bon. Allez, dépêche. Bon, est-ce qu'il y a une... Oui, bâton solide, hop. Ce sera plus simple. Voilà, hop. Je peux compter sur Babil, ça va pas. Voilà, allez, monte dessus. Quand j'ai besoin d'eux, ils veulent pas. Et quand j'ai pas besoin d'eux, c'est ce que je prends en premier, hein. Les pouvoirs, oui, non, c'est... Allez. Alors, tu arrêtes de lire doucement, s'il te plaît, parce que là, ça va m'énerver si tu... Non, 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 non. Ok, c'est bon. Excuse-moi, mais... Tu veux des trésors? Voilà. Bouclier royal. Et ben... Je m'en fous. Voilà. Ouf. Ce fut douloureux. Ah, vous tout, tout, ça va, tout va bien. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Regarde, ma boue, il y a une pierre qui émet une lumière bizarre. Tu crois que ce serait ça le généreux sanctuaire qui abrite une pierre généreuse dont parle le vieux manuscrit? En tout cas, c'est dommage, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de trésor par ici. Alphine, on a fait une chasse au trésor qui nous a conduit du domaine Zora jusqu'au fond de cette grotte. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi, on a découvert le généreux sanctuaire, ensemble. Si ce n'est pas un trésor, je ne m'appelle plus Mabou. T'as raison. Moi aussi, j'adorais partir à l'aventure. Maintenant, j'ai plein de souvenirs dans la tête et ça fait un super trésor. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé ce fameux trésor. D'ailleurs, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Tiens, c'est pour toi. Ça va? Ouais, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Très bien. Moi aussi, j'ai trouvé ça en venant ici. On fait la paire avec Mabou, pas vrai? Sur ce film, je crois qu'on ferait bien de rentrer au domaine Zora pour raconter tout ça à Koda. Elle sera bluffée quand on lui dira que l'histoire du vieux manuscrit était vraie. Ok. On n'a qu'à nager en se donnant la main pour pas se perdre de vue, d'accord? Oui, si tu veux. Ne nage pas trop vite, s'il te plaît. On y est. Laborieux, mais on y est. Allez, sanctuaire Yomizuki.
C'est une bénédiction. Ça paraît logique, hein. Il y a eu l'épreuve avant. Ça aurait fait mal qu'il n'y ait plus. Diamant brut. Ouais. Voilà le prochain. Mais bon. On verra ça dans le prochain épisode. Voilà. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.